JMC hein, en Allemagne, c'est ça. Un gros combat, j'avoue, bien engagé là, les deux parties, hein, et qui s'est soldé quand même par une victoire pour toi. Donc à chaud, quelles sont tes impressions? J'ai plus travaillé mon pied-point, la boxe thaï, j'ai évité ma défense de lutte, j'ai évité d'aller au sol, parce que j'avais déjà vu le combat de mon adversaire, il finalisait beaucoup au sol, c'est un grappeur de base. Moi aussi, mais bon, j'ai privilégié beaucoup plus le pied-point et dès le premier round, j'ai un peu jaugé le combat et je voyais que ma boxe le gênait. Donc j'ai continué ainsi pendant les 3 rounds et okay. Ça a fait la différence. On peut dire que le game plan, il a été efficace, quoi. Ouais, ça a été efficace. D'accord. Donc tu veux bien présenter les personnes qui sont venues avec toi, qui t'ont accompagné, qui étaient dans ton coin? Il y a Raphaël Zakata, mon prof de Muay Thai. Qui m'a accompagné, qui a suivi ma préparation. Voilà. Et Amine Mimouni, qui est venu ici pour mon sol, pour pouvoir me guider au sol. Voilà. Et il y a aussi Gilles.
remercie déjà Mano ici qui est resté à Savinotan, qui m'a beaucoup préparé en anglaise, ainsi que tous mes sparring de la salle de boxe thaï à Savinotan, et ainsi que aussi au grappling à Imana JJB Unicité, les frères Kabakoulou, Samir Ben Saïd, et donc voilà, et aussi les frères Lapinus qui m'ont aussi préparé. En gras, au sol aussi, en lutte. Et voilà, je remercie aussi encore Raphaël, Zakata qui m'a beaucoup préparé, qui m'a suivi. Et voilà, qui me fait confiance et on essaie de me remercier à notre façon. Merci. Super, je vais en profiter de l'avoir sous la main, sous ton coach. Tu vas pas te décider. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? On s'était basé un peu sur une stratégie de toute façon au niveau des coudes, des genoux. Donc il a bien poussé de ce côté-là. Puis c'est que le début, on commence, faut patienter. Chamois il va représenter ça va bientôt. Mais la fin pour combat, rien à dire. Le contrat elle est rempli et content d'être ici avec lui. Je m'appelle Alexandre Pittet, je suis coach principal à l'Octogène Team Vevey. On s'en est en Suisse, sur le bord du lac Léman. On a un petit club de MMA et Muay Thai. Je vous présente mon combattant, Thomas Berset. C'est un combattant professionnel. Il a 7 victoires, 1 défaite. Et il combat demain au GMC. Nous, on pratique essentiellement le Muay Thai, la lutte et le grappling. Donc, il s'entraîne dans les 3 disciplines. Il est très polyvalent. Je pense que ça va aller demain. Donc je me retrouve suite au combat. C'est fini par un très beau KO au deuxième round. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus? Ouais, on a essayé d'imposer ce game plan parce qu'on va peut-être te reprendre. Disons que l'extrême ceinture dans le jiu-jitsu, je voulais pas trop m'attarder au sol, quoi. Peut-être que l'accent va les autres. Et puis, ça a marché. Le but, c'était justement de chercher les genoux avec lui, parce que je savais qu'il attaquait dans les jambes. Puis, le timing a fait que... On n'a pas pu imposer ça au premier round, mais on a réussi heureusement à prendre le deuxième. Comme on a changé de terrain, on tient spécialement à le remercier, parce qu'on a eu quand même, je te dis tout à l'heure, 4 résistements. Et on tient à remercier ce gars d'avoir accepté le fight 3 jours avant, c'était vraiment un guerrier. Il a débarqué ici sans ses coachs, sans son point, il a voulu faire le fight, donc... Big up à lui, on va voir demain que, comme d'avant, fixer les choses. I'm like, fuck a bitch, and fuck you too. It's so many different things that I'm gon' do. Switches all fucked up. Living in the 80s, jacking niggas for Nissan trucks. I'm for the piece to flip. It's me and Daz and 2 bitches. I never gave a fuck, nigga, Daz and corrupt. They say this ain't the way to get rich. I might as well pimp me a bitch. I don't get it, I take it. Put a glitch in the matrix. Flip some bricks to strip the bitch naked. Cause I just don't care. Live from G-Square, where the best indica get put in the air. Nigga, fuck a bitch, and fuck you too. What a punk motherfucker like you gon' do. I hollered at Dr. Dre, hit up Big Snoop. With the candy cut perfectly on view. It's on 1, no, he said it's on 2. On 15 shells, ducked in detail. Derailed, all on YouTube won't do. What the fuck the wonka do? Get what the gotta get to get through.
like what you want, the lights are like fire. Big arsonist, blue to white fire. Blast who you wanna blast or get yours. Crack like the crap label, Cain and Abel. I'm Sinai Sinatra, Galactic Gallagher. Metaphysical 16 caliber Metallica. Shane the Silent Shanker, big and little banker. Punk motherfucker, bust a banker. Motherfucker, yeah nigga. We can go head, nigga, your bitch give me head, nigga. Heard what I said, nigga, flip me some bread, nigga. Get your chest bust like lead, nigga. Sleep to bed, nigga, Daz and Fred, nigga. Corrupt young Gotti, baby face Capone. Neo Niastra, nigga on the microphone. Never, never, have I ever gave a fuck. That nigga Daz Dillinger, Fred Corrupt. And we do what the fuck we want to do to it. Get what we got to get through. And we blast what we got to blast to get ours. Life of a gangster in a world of stars. Like what you want, the life's a life fire. Salut Naïeb, on se retrouve aujourd'hui sur le GMC en Allemagne, ouais. Pour une ceinture. Donc combat qui approche d'ici quelques heures, quelques minutes. Ouais. Comment te sens-tu ? Bien, pour l'instant tranquille. On va faire un petit réveil musculaire. Ensuite, on va partir à la guerre. Pour l'instant, tout va bien. Ok, donc tu veux bien me parler aussi un petit peu des gens qui t'entourent, qui sont là avec toi. Mourad Benseguir qui est en face de moi, mon coach, qui est un frère aussi. On s'entraîne depuis maintenant 7 ans ensemble. Et il y a Mohamed aussi derrière moi, là, qui est mon coach et frère aussi. Il vient me coacher aussi. Et il y a Jamel coach derrière aussi, qui est mon masseur. Et pour tout ce qui est massage, contrôler sa respiration et tout. Et surtout récupérer avant à chaque round. Très bien. Bah écoute, je vais pas t'embêter plus et je te souhaite le meilleur. Merci. Elbow again!
Stop doing that!